monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal d'Info. Votre chaîne internationale d'information en continu au sommaire de l'actualité ce jour. Nous allons parler bien évidemment de cette date historique du 4 novembre 1982, date à laquelle le président Amadou Ahidjo annonçait sa démission au poste de président de la République du Cameroun pour que Paul Biya, le 6 novembre plus tard, puisse être porté à la magistrature suprême, une alternance qui a été facile, contrairement à ce que l'on vit aujourd'hui sur le continent africain. Nous parlerons également de la présidentielle en Ouganda, où 8 candidats sont en lice pour cette présidentielle qui aura lieu au mois de février, avec Yoweri Museveni qui aura en face de lui de nombreux challengers, parmi lesquels un ancien premier ministre. Nous parlerons aussi de la République centrafricaine avec les députés qui sont cette fois-ci descendus dans la rue pour exiger le réarmement des forces armées centrafricaines. Le scandale Volkswagen nous intéresse également ce matin avec ce nouveau rebondissement pour ce qui est des véhicules de marque Audi, Porsche et Touareg. Voilà pour le sommaire, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Retour sur ce plateau. Élie Piedjou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Élie, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Alors l'histoire du Cameroun, c'est cette histoire du 4 novembre 1982 où Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, décida de passer le pouvoir à Paul Biya. Une journée historique qui a permis aujourd'hui de comprendre que la transition pouvait être aussi facile au sommet de l'État. Tout à fait. Il faut dire que c'est une date importante pour l'histoire du Cameroun. Il faut dire que le 4 novembre 1982, contre toute attente, il faut dire que ce jour-là, c'était plutôt une journée très calme. Les populations ont vaqué normalement à leurs différentes occupations jusqu'à pratiquement 20 heures, lorsque le poste national décide de tourner, de faire tourner le générique de l'hymne, de faire tourner l'hymne national en boucle pendant plusieurs minutes et que l'on écoute enfin le chef de l'État qui annonce sa démission. À ce moment-là, tout le monde était pris de panique. On se demandait bien qu'est-ce qui a bien pu se passer au niveau de la présidence de la République pour que le chef de l'État décide à ce moment-là de rendre son pouvoir au premier ministre de l'époque qui était donc l'actuel président aujourd'hui, son excellence Paul Biya. Et il a demandé au cours de ce discours-là aux Camerounais, Camerounaises, de faire confiance à ce nouveau président de la République et de dire merci à toute la population camerounaise qu'il a donc accompagné pendant pratiquement 25 ans à la tête du Cameroun. Vous comprenez que c'est un geste inhabituel, mais heureusement, la transition a été plutôt facile et très bien consommée par les Camerounais. Une transition qui est un peu comme du sirop et non cette pilule difficile à avaler pour certains États africains. Mais aujourd'hui, à la faveur, bien évidemment, de cette alternance naturelle, il y a cette célébration des 33 ans du renouveau qui est donc annoncé ce 6 novembre. Ce sera également un jour de bilan. Tout à fait. Il faut dire que après la démission du 4 novembre, le 6 novembre, le chef de l'État a prêté serment. C'est donc l'occasion de faire le bilan aujourd'hui, le 6 novembre 2015, 33 années passées à la tête du Cameroun. Il faut dire que moi, j'ai connu un seul président, donc je peux que dire qu'aujourd'hui, on célèbre 33 années. Qu'est-ce que Paul Biya a laissé en 33 années? Aujourd'hui, on parle de plus en plus de pauvreté, on parle de plus en plus de corruption. On parle de plus en plus de détournement de deniers publics. On a pratiquement tous les ministres de ce gouvernement-là en prison du côté de Yaoundé, de Douala. Donc on pourrait tout de même dire que c'est un bilan
tout à fait mitigé. On a aussi d'un côté, si on peut prendre le volet positif, l'engagement de nombreux projets structurants, même si ça piétine suffisamment. On voit toujours les populations qui souffrent, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à gérer leur quotidien. C'est vrai que dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on dira que le bilan est plutôt positif. Le chef de l'État a apporté la démocratie, le chef de l'État a apporté le multipartisme. Donc, on comprendra que le discours ce jour-là va certainement être d'un côté positif et de l'autre négatif, et pourquoi pas les deux. 33 ans de règne sans partage, à chaque fois réélu à la majorité absolue, ce qui voudrait tout de même dire que au-delà de ces problèmes, de cette misère que vous évoquez, au-delà de la difficulté que les Camerounais ont à gérer leur quotidien, que ces Camerounais, le moment venu, renouvellent quand même leur confiance au chef de l'État. Tout à fait. Il faut dire que même si on se plaint chaque jour, et l'unique méthode pour le Camerounais, c'est d'aller voter et de dire non quand on souffre, hein, de changer le président à la tête. Mais on s'est rendu compte que chaque fois, c'est le chef de l'État qui était toujours réélu à la tête de la République du Cameroun, quitte à dire que les Camerounais aiment bien, malgré leur misère, malgré les détournements de deniers publics, malgré la corruption, aiment bien leur président. Et il faut donc rappeler que la célébration cette année est placée sur le site de la solidarité. On a une pensée pour les victimes de Boko Haram. Et si vous permettez, je peux bien préciser le thème de cette célébration. Renforçons notre mobilisation derrière le chef de l'État, président national, pour la victoire finale contre Boko Haram, la réussite du plan d'urgence, la consolidation des conditions en vue des succès futurs. Vous comprenez donc qu'il y a ce mélange-là entre président de la République, président national du RDPC. C'est le même homme, il faut bien le dire, mais tous les Camerounais sont derrière leur chef de l'État, puisque c'est le parti au pouvoir, le parti majoritaire, dont tout le monde célèbre ce chef de l'État qui, aujourd'hui, au fait, demain, le 6 novembre, va célébrer ses 33 années passées à la tête du Cameroun. Merci Lille Piedjouéli-Smith, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de 33 ans de renouveau. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ces 33 ans, vous avez vu ce qu'elle a dit. Paul Biya a pris le Cameroun dans une transition qui est, vous avez dit, comme du sirop, qui est quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Mais lui n'a pas pu faire ce que son prédécesseur a fait. Ça fait 33 ans qu'il est là. Il a pris un pays qui était à revenu intermédiaire, qui est devenu aujourd'hui un pays pauvre et très endetté. Et vous trouvez souvent des intellectuels qui applaudissent. Vous étiez riche et aujourd'hui vous êtes devenu pauvre, on est content. Moi j'ai aimé ce que Lille Piedjou a dit tout à l'heure, mais il y a un petit bémol. Dit que les Camerounais aiment beaucoup leur président. Well, si vous voulez aller dire que parce qu'on fait les élections, on gagne. Mais quand on gagne à la soviétique, on se pose les problèmes, les questions. Si vous gagnez avec les 82%, mais je pense que aucun Camerounais normal qui est né dans ce pays ne va pas répondre en vous disant que les choses ont changé. Si le Cameroun était quitté d'un pays pauvre et devenu un pays riche ou devenu un pays à revenu intermédiaire, on devait être content. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Lille Piedjou l'a dit elle-même, la corruption, la décadence morale, parce qu'un pays où la musique qu'on aime, c'est coller la petite, au lieu d'aimer les petits, les Mr. Léo qui encourage le partage, ça veut dire que c'est un pays qui souffre très mal. Et c'est le moment maintenant que le président de la République doit réfléchir aussi à céder le pouvoir. Hier, on a parlé aux gens qui étaient très vieux. On ne peut pas accepter qu'un pays qui a les gens jeunes, on n'a pas un jeune à la tête de ce pays où les jeunes qui assument. Moi, la pauvreté sans emploi n'est pas synonyme à un progrès, mais c'est synonyme à la régression. Nous allons tout rester au Cameroun pour parler de cette banque camerounaise des PME qui avait été annoncée par les pouvoirs publics comme étant une mesure pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'être de plus en plus compétitives. Et c'est avec Serge Bondier avec qui nous allons revenir bien évidemment sur cette banque camerounaise, la petite et moyenne entreprise qui fait partie des mesures prises par le gouvernement de la République pour permettre à la PME
d'être compétitive. Serge Bourdier, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à toutes et à tous. C'est une belle initiative, on parle du chef de l'État. L'une des mesures salutaires pourrait être celle d'accompagner la PME camerounaise, mais une PME qui coince dans son fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi aujourd'hui la banque camerounaise de la PME annoncée à grand renfort de publicité avec un budget initial de près de 10 milliards de francs CFA n'arrive pas encore à financer la petite et moyenne entreprise? Il faut souligner tout de suite d'entrée de jeu que la banque camerounaise des PME qui a été mise sur pied souffre au niveau de ses outils de fonctionnement et qui sont pour l'instant difficilement accessibles par les responsables de la banque camerounaise des PME. D'ailleurs, le chef de l'État, à travers cette annonce forte, disons qu'on va accompagner désormais les PME camerounaises à travers une banque, le fonds de souveraineté qui a été mis en place à cette période-là est l'équivalent de 10 milliards de francs CFA pour supporter les projets, notamment l'industrie, de manière globale au Cameroun. Mais pour l'instant, la banque des PME a déjà constitué des dossiers assez importants au niveau des Camerounais qui voudraient accompagner leurs entreprises à hauteur d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Donc beaucoup d'argent pour l'instant devrait en principe être décaissé pour accompagner les PME. Ce n'est pas encore le cas. La raison également, la réponse à votre question se trouve au niveau de l'accompagnement des mesures qu'on appelle entre autres la télécompensation qui viendrait bien entendu des organismes internationaux. Le cas par exemple de la Banque centrale avec laquelle le Cameroun a eu quelques accords pour la gestion même des financements qui sont déposés au niveau de la banque des PME, mais une banque centrale qui fait référence sur le plan régional à la BEAC, c'est quand même dit qu'il y a du travail à faire. Voilà, il y a du travail à faire en attendant que vous prenez une petite rasade de Elisabeth. C'est quand même une grande innovation pour un pays de créer quand même une banque qui puisse permettre à la petite et moyenne entreprise de se mouvoir. Exactement, vous voyez même la capitalisation. La loi bancaire de la COBAC demande une banque à avoir au minimum de 5 milliards, donc elle est bien capitalisée. Et puis deuxièmement, pour lutter contre le chômage, ce sont les petites et moyennes entreprises qui luttent efficacement. On doit prendre l'exemple d'ailleurs. En Allemagne, par exemple, entre l'Allemagne et la France, ceux qui luttent contre le chômage, qui créent de l'emploi en Allemagne, ce n'est pas les grandes industries, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc je pense que l'initiative du chef de l'État, là, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut avoir l'honnêteté et le courage de dire qu'il a bien fait. Créer cette banque était une bonne chose. Et c'est aussi ça les actions à mettre à l'article du renouveau. Alors Serge Bondier, nous allons poursuivre bien évidemment avec votre commentaire. Aujourd'hui, la banque camerounaise des PME là, il y a déjà quand même quelques petites et moyennes entreprises qui attendent de recevoir quelque chose. Beaucoup attendent justement de recevoir quelque chose, mais ce qui n'est pas faisable pour l'instant, c'est la possibilité de faire des transferts d'argent ou alors de prendre un montant qui serait mis à disposition au niveau de la banque des PME, à les déposer dans une banque quelconque pour espérer avoir donc le suivi. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on dit clairement qu'on n'a pas encore les véritables outils de fonctionnement. Et pour que ce cas puisse être effectif, il faut que les experts de la banque centrale, via la BEAC, donc la banque des États de l'Afrique centrale, puissent venir au Cameroun installer eux-mêmes cet outil de fonctionnement afin qu'on puisse bénéficier également de ces services. Mais ce n'est pas encore le cas parce que la directrice de la banque camerounaise des PME donc, a fait une sortie tout récemment. Agnès Ndoumbé-Manding a dit clairement que ce fonctionnement fait encore problème aujourd'hui parce qu'il faudra qu'on puisse s'arrimer dans le cadre du fonctionnement et surtout appuyer tous les projets qui sont ainsi mis en œuvre. Donc il y a une étude de fond qui a été bien sûr élaborée par tous les responsables même de cette banque et puis les projets ont été étudié minutieusement, mais ça piétine. Mais pour l'instant, encore, on parle d'un fonds qui reste celui de 700 millions de francs CFA. Beaucoup de projets ont été passés à cet effet. La sortie donc de Madame la directrice générale de la Banque camerounaise des PME permet de se repositionner et surtout de réfléchir sur cet appui substantiel et pourquoi la Banque centrale ne vient-elle pas encore installer au Cameroun cette manière de fonctionner. On dit clairement là-bas parce que le Cameroun a été classé, donc cette banque dans son fonctionnement, un peu aux arrière-postes en attendant bien sûr que la Banque centrale puisse se libérer d'autres projets plus importants. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ce qui est clair, c'est un coût véritable au niveau du financement des PME et même de l'accompagnement de tous ces organismes qui gravitent tout autour, parce qu'il s'agit, comme le chef de l'État l'a dit en créant cette banque, c'était une réponse à la problématique du financement des PME qui avait du mal à pouvoir se mettre en route. On regarde également que ces PME sont essentiellement constituées du véritable tissu industriel du Cameroun.
Plus de 95% des entreprises dans notre pays sont des PME. Mais si en créant une banque, ces PME ne bénéficient pas de ce fonds de 10 milliards de francs CFA parce qu'il y a des problèmes qui ont trait à son fonctionnement, notamment à la mise en place des outils nécessaires pour le financement des projets, ça pose un problème. Il faudra réellement voir pourquoi ça coince et quels sont les véritables enjeux. Soit on avance, soit on fait du surplace. Également, ça appuie de manière négative l'économie camerounaise qui pourtant a du plomb dans l'aile. Merci Serge Bondjet pour ces explications. On espère vous retrouver demain, cette fois-là en très bonne forme pour nous parler également. En tout cas, merci, ça va aller. De ce sujet qui concerne bien évidemment l'actualité économique au Cameroun. Alors, sans transition, on va aller tout de suite du côté de la République centrafricaine, Elise Bitt, pour parler de ces députés qui sont descendus dans la rue pour exiger le réarmement des forces armées centrafricaines. Ça, c'est quelques heures seulement après la déclaration du président du Conseil national de la transition. Oui, lui, Roger, c'est un peu comme si ces députés nous écoutent ici. Nous avions déjà dit, parce que nous ne disons pas des choses à l'emporte-pièce ou sans preuve, nous avions pris l'exemple d'un pays qui est en difficulté jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? On a pris l'exemple de l'Irak. L'Irak a eu des problèmes parce que quand il y a eu la chute du dictateur violent Saddam Hussein, les Américains sont venus et ils ont dit qu'ils veulent débaptiser le parti Baas, c'est le parti au pouvoir à l'époque dans ce pays qui était un peu notre renouveau du Cameroun. Mais ce qu'ils ont demandé là-bas est qu'on doit mettre hors l'armée nationale irakienne. La preuve était que, la conséquence a été que les Américains n'ont pas été capables de contenir la rébellion sunnite et d'autres rébellions, même chiites, dans ce pays. Donc, je pense, si on revient maintenant en République centrafricaine, c'est tout à fait normal que les députés nationaux demandent qu'on réarme l'armée nationale centrafricaine, tout simplement parce que les Centrafricains font confiance à leur armée et d'eux, c'est le seul organe, c'est le seul mécanisme dans ce pays qui est à même à apporter la paix parce qu'elle connaît mieux la République centrafricaine que quiconque, même la Sangaris, malgré tous leurs armes. Nous avions vu ailleurs, si l'arme seule, la capacité militaire seule pouvait gagner la guerre, les Viet Minh ou les Américains battaient les Viet Cong au Vietnam. On a vu qu'il faut connaître bien le terrain et c'est la FACA qui connaît bien le terrain en RCA. Il faudra les réarmer pour que la paix revient en RCA. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre aussi, Elise Bitt, c'est que ces situations interviennent au moment où Catherine Samba-Panza est montée au créneau pour juger, n'est-ce pas, les actions de cette force internationale insuffisante. Et quelques jours après, ce président du Conseil de la transition qui monte au créneau, et aujourd'hui sont les députés. C'est quand même des petits signes qui ne trompent pas. Oui, ça montre qu'à la tête, la double tête de l'exécutif centrafricaine, on regarde de deux manières. J'ose croire que le président de la transition, M. Nguende, si je ne me trompe pas, c'est lui. Oui, voit bien à l'intérieur. Lui, je pense qu'il est plus patriotique. Et puis Mme Panza est marionnette de deux pays qu'on a toujours parlé ici avec les preuves. Le Tchad qui se comporte comme l'Allemagne, le président se comporte comme Bismarck de l'époque, ou la France. Donc je pense que Samba Panza a raté une occasion d'inscrire son nom dans le fil marbre en République centrafricaine comme une réconciliatrice et quelqu'un qui n'est pas à la solde des pays étrangers, en l'occurrence la France et le Tchad. Nous n'avions rien personnellement contre le Tchad, contre la France, parce que nous savions aussi ce que le sacrifice que les Tchadiens ont fait. Mais quand celui qui vient t'aider décide que c'est lui qui va décider comment tu vas t'asseoir chez toi, ça devient un problème. Donc, Mme Samba Panza a mal fait. Je crois qu'elle a vu que la Centrafrique, les Centrafricains ne sont pas à terre, ils sont debout. Ils veulent uniquement que leur pays soit à leur pays et diriger leur pays comme il se doit. Patrick Christian, bonjour. Eh bien, bonjour Louis Roger, bonjour à Smith, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui ne cessent de nous faire confiance. Alors, 30 députés de la nation qui décident de descendre dans la rue pour exiger le réarmement de l'armée nationale, de l'armée régulière en Centrafrique, ça doit être pris au sérieux. Oui, ça doit véritablement être pris au sérieux. Vous savez, Alexandre Ferdinand Guendette est le président du Conseil national de la transition qui fait office actuellement
de pouvoir parlementaire du côté de la RCA, alors que Samba Panza tient l'exécutif en tant que présidente, n'est-ce pas, du gouvernement de transition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait déjà une première erreur stratégique que d'imaginer que dans un pays comme la RCA, même si l'armée a éclaboussé à la suite de cette crise-là et puis de l'arrivée au pouvoir, n'est-ce pas, de la Séléka, on ne pouvait s'imaginer quand même qu'on allait composer dans une tentative de sécurité dans ce pays en excluant les forces armées centrafricaines. Il n'y a pas que des mauvais officiers et soldats dans cette armée. Il y a quand même du bon. Il y a encore des gens là-bas, même s'ils sont en minorité, qui peuvent être considérés comme étant des éléments de bonne foi, avec une certaine maîtrise du pays et des rouages de la réalité contextuelle centrafricaine que les forces qui viennent de l'étranger, avec malgré, on va dire, la forte concentration de moyens matériels et humains, ne pourraient pas avoir en termes de facilité. Mais dès qu'on a fini de décrier cet aspect et de dire que forcément Catherine Samba Panza s'est laissée embourber dans un jeu dans lequel elle a du mal à s'en sortir maintenant pour démarquer son autorité, il faut reconnaître aussi quand même que le président du Conseil national de transition, le président du Conseil national de transition actuellement, il joue à un jeu aussi dangereux. Alexandre Ferdinand Nguendet est en train de jouer certainement à un rôle de positionnement. Parce que dans cette histoire, il faut se dire qu'il y a toujours des personnes qui tirent les ficelles. Et ce n'est pas la première fois. Il faut même se rappeler dès la jeunesse de l'avènement même de la période de transition qu'il y avait déjà une opposition farouche entre ce monsieur et Catherine Samba Panza. Aujourd'hui, ce qu'on voit n'est que la manifestation visible de ce qui se couvait finalement depuis longtemps. Donc on ne peut pas simplement se limiter à cette opposition de style. En fait, il est en train de profiter des failles et des faiblesses de Catherine Samba Panza pendant l'exercice de son pouvoir pour tenter de faire un break-up. Quand elle était aux Nations Unies, vous avez vu le retour en catastrophe de Catherine Samba Panza. C'était un retour qui craignait justement un hold-up, un coup d'État. Et vous voyez qu'il y a eu des officiers qui sont venus lui demander de prendre le pouvoir. Il a joué aux démocrates, mais en fait, il rêve de ce pouvoir. Et je peux vous dire que cette démarche-là est une démarche enclenchée pour déposer Catherine Samba Panza. Et donc, le président de l'Assemblée nationale, lui-même, est à la solde d'un certain nombre de personnes, et ça va finir par se découvrir. Et ça finit par se découvrir comme cette histoire de viol qui finit donc par se découvrir, et les femmes ont pris d'assaut les rues du côté de la Guinée-Conakry pour demander que l'on mette définitivement un terme à ces agressions sexuelles. Le viol est devenu le sport favori au pays d'Alpha Condé. Mais écoutez, vous savez, il y a une lecture qu'il faut souvent faire de ces questions de mœurs et de la place des femmes, notamment dans les sociétés traditionnelles et notamment en Afrique de l'Ouest. On a souvent décrié cela en Afrique, et pas seulement en Afrique, hein, même dans bien d'autres sociétés traditionnelles, en Asie et bien ailleurs, même les Occidentaux, on sait par celle-là, où la femme, très souvent, n'avait pas pignon dans l'expression publique. Hein. On le voit encore, c'est encore plus serré dans certaines religions. On ne va pas citer les noms ici pour ne pas faire finalement, n'est-ce pas, des incompréhensions. Mais de tout temps, la question de la position et du rôle de la femme, de son droit à avoir un certain nombre de libertés, a toujours fait problème. Et ça se ressent encore. La Guinée qu'on a créée peut-être aujourd'hui au devant de la scène, mais elle est loin d'être l'exemple par lequel on peut même toucher cette problématique. Vous vous souvenez encore qu'il n'y a pas très longtemps, même en France, les femmes n'avaient pas droit de vote sur un certain nombre de questions. Et cette histoire de viol nous rappelle aussi les tristes événements de septembre 2009 en Guinée-Conakry, lors des massacres, où une panoplie de femmes avaient, c'était sous le régime, n'est-ce pas, de notre ami Dadis Camara, pendant cette période, ce triste événement, où des femmes avaient été violées. Aujourd'hui, ces femmes qui sont dans la rue crient parce qu'elles se disent déjà qu'à cette époque, on n'a pas encore pu trouver, les enquêtes n'ont pas abouti et que ça devient récurrent. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres là-bas? Vous vous rappelez cette vidéo d'une jeune dame obligée de se dénuder parce que sous la menace d'un couteau. Mais on a comme l'impression, en tout cas les manifestants qui sont aujourd'hui dans la rue, pour la plupart des femmes, mais avec des hommes, on a comme l'impression véritablement que l'impunité est en train de nier, et en train finalement de prendre son corps et de faire son lit, n'est-ce pas, en Guinée-Conakry. Et c'est peut-être cet état de choses-là que les gens dénoncent. Maintenant, au-delà de la dénonciation et des scènes folkloriques et du discours politique qui suit, parce que le ministre de la Justice a intervenu, il me semble que c'est un changement de paradigme et de mentalité qu'il faut. Quelle est la place qu'on donne à la femme dans nos sociétés? Comment est-ce qu'on encadre la mentalité des autres occupants de la société, c'est-à-dire que hommes et autres? Est-ce que la femme doit être considérée différemment? Mais quelle est l'éducation qu'on met en place pour que cette place de la femme puisse être intégrée dans nos mentalités? Alors, Elie Smith, je ne voudrais pas vous poser cette question de peur de réveiller en vous un sentiment parce que vous avez été victime de
victime de témoin, vous êtes témoin oculaire, n'est-ce pas, de ces viols à répétition par des hommes en tenue. Alors pourquoi cette pratique est très usuelle aujourd'hui? Elle est usuelle parce que c'est un problème de l'état de droit. Elle n'existe plus. Et puis la moralité de la société. Et en fait, c'est nous, les leaders, quand vous avez des pays où on cautionne le viol, c'est sûr, je crois que mon ami Christian est un peu politiquement correct, ne veut pas, il dit qu'on ne veut pas taxer. On connaît que dans l'islam, il y a un problème. Mais on ne veut pas dire que c'est seulement dans les pays islamiques où on viole les femmes, où les femmes n'ont pas le droit. Même dans des pays à majorité chrétienne, en République démocratique du Congo, dans le Kivu, le viol est utilisé comme une arme, on a utilisé. Dans les pays qui sont entre guillemets stables, la République du Congo, où le gouvernement cautionne les viols punitifs des gens. Comme je me suis dit, j'ai vu des cas de viol, je ne veux pas revenir dessus. Donc c'est un problème où la société civile doit intervenir, les médias, pour dénoncer et dire que les femmes ont le même droit que les hommes et on doit respecter les femmes dans nos sociétés. Nous allons aller tout de suite du côté du Niger où l'aviation a frappé quelques positions de Boko Haram, même si jusqu'ici l'on n'annonce pas encore un bilan pour ce qui est du nombre des victimes. Patrick Christian Dobor, c'est quand même une action concertée, une frappe bien appuyée de l'armée nigériane pour mettre un terme aux exactions de Boko Haram. Oui, effectivement, quand on voit qu'il y a une entrée en matière des MI-35, des Sukhoi, ça veut dire que l'armée nigérienne met l'artillerie lourde, n'est-ce pas, pour réagir à ça. À la vérité, c'est comme une espèce de riposte, n'est-ce pas, à un guet-apens dans lequel l'armée serait tombée, avec à la clé un mort. Certaines sources font évidemment état de ce que les militants ou alors les combattants de Boko Haram auraient emporté quelques munitions et quelques véhicules de l'armée. Mais ce qui est important de voir dans cette, on va dire, dans ce nouvel affront de Boko Haram, c'est que ces troupes-là, la milice écume, c'est vrai, dans la frontière et la partie frontalière à la forêt de Sambisa, les frontières du Niger, du Tchad et du Cameroun, avec cette capacité de se muter de façon hybride dans des stratégies de guerre qui ne sont plus forcément prévisibles. On est en même temps dans une stratégie conventionnelle, frontale, comme celle qu'on a vue là-bas avec plus ou moins des pièges tendus. On est en même temps aussi dans une stratégie suicidaire à travers des attentats kamikazes. On est en même temps aussi dans une stratégie finalement d'infiltration. Donc Boko Haram se sert de ces différentes formes et mute en fonction d'un certain nombre d'objectifs pour attaquer les armées conventionnelles qui, elles, sont beaucoup plus préparées à faire front à l'ennemi. Et c'est en cela, comme on l'a toujours dit ici et martelé, qu'il est important de rester en éveil. Aujourd'hui, le Niger a toutes ses régions en état d'urgence, mais ça n'empêche pas Boko Haram de frapper. Mais ce qu'il faut connaître aussi, c'est que si Boko Haram fait cette démonstration de muscles, c'est parce qu'il y a l'enjeu du soutien de l'État islamique que Boko Haram cherche. Et il faut sur tous les fronts démontrer qu'on est capable de tenir en haleine les différentes armées de ces pays-là et de recevoir davantage du soutien. Élie le rappelait ici, la mutation au niveau, n'est-ce pas, de la tête, de la direction de Boko Haram, apporte un souffle nouveau dans la pensée stratégique et la mise en œuvre, n'est-ce pas, des méthodes de Boko Haram. Mais il revient aux États qui ont la force conventionnelle, le droit international avec eux, de pouvoir cerner le problème, de rester en éveil et surtout de faire fonctionner le renseignement opérationnel. Alors, avec Élie, on va évoquer cette présidentielle qui va se dérouler au mois de février en Ouganda, avec bien évidemment Yoweri Museveni qui sera encore candidat à sa propre succession et au pouvoir depuis 1986. Mais on annonce quand même dans cette course à la présidentielle 8 candidats, et parmi lesquels un ancien Premier ministre. Ça sera aussi une présidentielle très disputée, où Yoweri Museveni, avec sa position de force, va encore gagner son coup ferré. Oui, le problème de Yoweri Museveni, l'homme qui n'a pas d'acte de naissance, qui est venu au pouvoir depuis 1986, qui a chassé un autre dictateur, Milton Obote. Mais cette fois-ci, ça ne serait pas facile pour lui, un peu ce qu'on a eu toujours en Afrique de l'Est, en Tanzanie. Mais cette fois-ci, on aura encore un autre. Il a déjà eu M. Bisegi, qui est l'un de ses rivales de tous les temps, son ancien ami. Maintenant, c'est encore un autre ami qui vient encore contre lui. Mais je pense que
le système instauré depuis 1986 par Yoweri Kaguta Museveni qui parlait de no party, donc sans parti. Voilà un pays où il y a une démocratie bizarre, où il n'y a pas de parti politique. Et ça appelle un peu quelque chose, je n'ai rien à voir, comment nos alliés occidentaux qu'on soutient, comme les États-Unis, la France, ont une manière pas honnête à visualiser les choses. Pourquoi on va mettre la pression sur d'autres chefs d'État à respecter la Constitution et à partir, et un autre, parce que c'est un allié de Washington, on n'en dit rien. Mais je crois que cette fois-ci, ça ne serait pas facile pour l'Ouganda, ça ne serait pas aussi facile pour M. Yoweri Museveni, mais je sais qu'à la fin, il va gagner. Ah, vous savez qu'à la fin, il va gagner. Patrick Christian, d'abord, est-ce sûr, véritablement, que cette campagne qui est lancée, c'est juste une campagne comme toutes les autres et que Yoweri Museveni, au lendemain de ce scrutin, au mois de février, sera réélu pour un autre mandat présidentiel? Alors, le troisième larron ici, c'est Amama, finalement, Bazoak, qui est l'ancien Premier ministre dont faisait allusion. Mais on sait que Kizza Besigye est l'opposant historique, n'est-ce pas, de Yoweri Museveni. C'est peut-être le fait inédit d'avoir un jeu un peu plus ouvert après l'élection de 2001, 2006, 2011. Le quatrième mandat de Yoweri, lui, ne fait pas état d'un problème avec la Constitution. On a du côté de l'Ouganda quand même une bonne majorité de la population qui reste encore fidèle derrière le président Museveni. Il est un acteur majeur dans la région du Grand Lac en tant qu'élément tampon dans tous les conflits. On le voit au Soudan, on le voit au Burundi, et ainsi de suite. Et c'est un allié stratégique de Washington qui a su s'appuyer sur lui, n'est-ce pas, dans des moments très opportuns. Ce qu'on peut simplement voir dans cette démarche-ci, c'est qu'il y aura plus d'une voie d'expression et qu'après 30 ans de pouvoir, quand même, on a des jeunes qui n'ont que connu ce régime-là et qui voient ce qui se passe ailleurs. La magie, n'est-ce pas, de la mondiovision fait en sorte que ces jeunes-là aspirent peut-être à d'autres choses. Est-ce que le discours de ces deux opposants ou des sept autres candidats va réussir à faire pencher la balance? On doute un peu parce que quand même Museveni a la main encore gardée sur son pouvoir et il a quand même fait aussi de belles prouesses sur le plan économique et autres. Et c'est peut-être ça qui peut le sauver un peu, comme on disait, du cas, n'est-ce pas, de l'autre côté de Kagame, n'est-ce pas, au Rwanda, et dans une moindre mesure d'Alassane Draman Ouattara. Donc il a encore cette possibilité de pouvoir se positionner comme étant un véritable acteur du développement de l'Ouganda. Et les Ougandais, il faut le dire, ils sont fiers d'être chez eux. Ils ont cette fierté d'être Ougandais. De plus en plus, on ne voit pas ça en Afrique. Et il me semble que c'est sur ces atouts, peut-être, que le président Museveni va chercher à surfer. Maintenant, on va voir la proportion de cette victoire comparée aux 58% qu'il a eu à l'élection en 2011 pour voir si, finalement, le patron des lieux tient toujours la barque avec une pointe. Et là, il est attendu au pied du mur, hein, parce qu'il a été médiateur sur, par exemple, le cas du Burundi. C'est lui qui était allé voir Nkurunziza pour essayer de voir comment il pouvait ne pas organiser les élections à date. Et maintenant, lui, il organise les élections dans son pays. Ça serait une très bonne occasion pour juger le maçon au pied du mur. Je voudrais que nous parlions à présent du classement Forbes, qui est un classement qui intéresse beaucoup d'Africains, le classement des hommes les plus fortunés. Ce classement a permis donc de mettre un petit accent sur l'Afrique francophone. Et on se rend compte quand même qu'en Afrique francophone, il y a des milliardaires en termes de milliards, bien évidemment. Et parmi ces milliardaires, il y a un certain Baba Dampoulo, oui, qu'on connaissait bien, Lee Smith. Oui, je connais Baba Dampoulo très bien. Il vient du Nord-Ouest. C'est un agriculteur qui a aussi diversifié ses investissements. Il n'a pas seulement investi au Cameroun, il a investi massivement au Nigeria. Et je ne suis pas surpris, et même aussi dans des médias, je ne suis pas surpris qu'il est premier comme l'homme le plus riche francophone, si je me trompe oui, pas, francophone, le oui. plus riche francophone. Donc, ça veut dire qu'on commence à faire. Mais j'ai un petit bémol. Bien sûr, Baba Dampoulo n'est pas francophone, c'est un anglophone. Donc, je ne comprends pas pourquoi on lui est classé parmi les francophones. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui est bien, que je trouve tout à fait normal. Ça montre aussi que les francophones aussi s'intéressent aux affaires et ils doivent encore faire beaucoup d'efforts. Mais le deuxième francophone est bien Paul Focam Cabonier, que l'on connaît très bien, le patron d'une très grande banque au Cameroun. Oui, lui, Roger, mais il faut peut-être légèrement apporter un élément de plus de compréhension. Baba Dampoulo est certes originaire de la région
anglophone du Cameroun, mais ce classement est le reflet, n'est-ce pas, des richesses en Afrique francophone subsaharienne. Le Cameroun est considéré aussi, même si ça peut être question à des, n'est-ce pas, sujet à des questions, il est considéré comme un pays de l'Afrique francophone subsaharienne. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans ce classement, c'est en millions de dollars, parce que Forbes a l'habitude chaque année de sortir le classement mondial des 180 fortunes, n'est-ce pas? Et ce classement, on s'est rendu compte qu'il n'y figurait pas, on va dire, de personnalité de la zone de l'Afrique subsaharienne francophone. Et c'est dans cette optique que Forbes est donc allé à la quête, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'informations dans cette zone pour voir qui seraient les leaders. Et bon gré mal gré, RDC compris avec toutes ses mines, le Cameroun est en tête avec finalement deux de ses compatriotes. Vous avez cité Baba Danpoulo, qui est ce multimilliardaire en franc CFA. Mais le constat qu'il faut faire, c'est que pour entrer dans le classement de Forbes général, il faut avoir un minimum de milliards. Oui, 100 donc, milliards au 200, moins. 200 millions de dollars. Vous voyez. Donc, et ici, ceux qui ont été classés sont dans un minimum de 200 millions de dollars. Ça fait quand même un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Là, le classement de Forbes est fait en millions de dollars. Alors, maintenant, vous avez Baba Danpoulo, vous avez Paul Foka, que vous allez citer. C'est un mania de la finance. Il est aussi dans l'assurance. Il est dans l'audiovisuel. Ces deux Camerounais, quand même, qui sont en tête. Ça questionne. Quelle est cette richesse qu'on retrouve entre les mains d'individus au Cameroun? Et quand on regarde le niveau de vie des Camerounais, on se dit quand même qu'il y a matière à redistribution. Ça sert à quoi d'avoir autant de riches fortunes engluées dans des mains de personnalités? Attention, toi tu es un socialiste. Non. Et deuxièmement, dès que j'ai pris le cas du Cameroun, je vais revenir sur le cas de Madagascar, qui est dans ce classement, avec deux milliardaires en France, et bien deux Madagascar considéré un peu comme et Madagascar est le pays le plus pauvre du monde dans le classement actuellement. Vous vous rendez compte? Le pays le plus pauvre du monde a deux personnalités qui figurent parmi les plus riches des 23 pays africains. Donc, il va sans dire qu'il y a un problème de redistribution. Ce n'est pas une redistribution à la paresse, hein, dans un système socialiste qui se verrait pur et dur. Non, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tous les secteurs, n'est-ce pas, de l'activité dans ces pays-là bénéficient de ces financements pour pouvoir générer de l'emploi, pour pouvoir générer de la plus-value et pour pouvoir générer une croissance perceptible dans le panier de la ménagère? C'est de ça qu'il s'agit. Après, si ce n'est pas ça qu'il s'agit pour Forbes, et puis les milliardaires ne sont pas faits pour donner des autres choses, lui, Roger, si pour donner des aubaines, ils ont des intérêts. Autre chose, lui, Roger, si vous le permettez. Il y a aussi des questions parfois autour de ces classements. On a souvent l'habitude de penser que derrière ces classements, l'objectivité peut être questionnée sur les choix. Parce qu'il y a des critères quand même d'interrogation qu'on ne va pas développer ici. Mais bien évidemment, chaque concours, chaque élection a ses règles, du jeu, des règles qui ne sont pas dévoilées. Mais ce qui est sûr et certain, que si vous êtes transparent, si vous êtes transparent dans la structuration de votre entreprise, et si vous êtes transparent dans tout ce que vous faites, c'est facile qu'on ait les chiffres. Et là, on ne sera pas corrompu pour dire ce qui n'est pas normal. Alors, on va sortir rapidement. Nous avons encore deux petites minutes pour parler de Volkswagen, ça veut dire que ça ne va pas, depuis pratiquement mi-septembre, ce constructeur allemand a des problèmes après ce logiciel truqué installé dans certains moteurs pour empêcher, bien évidemment, que l'on, que l'on puisse déceler la dangerosité de ces moteurs. Ça est bien évidemment du CO2 et gaz du gaz carbonique. On se rend compte que certains autres véhicules de marque sont également touchés. On parle d'Audi, on parle de Porsche. Alors rapidement, Patrick Christian de Vos, c'est un grand coup que ce constructeur allemand prend dans le marché de l'automobile. Vaudrait mieux pour Volkswagen de prendre ces coups-là maintenant. Et il me semble que Volkswagen a une réserve suffisante. Je peux vous le dire, c'est vrai que sur le plan comptable, c'est en des chiffres très effrayants. Mais il vaudrait mieux pour Volkswagen que cette tempête-là passe dans la foulée, n'est-ce pas, de cette découverte. Et il me semble que la capacité de Volkswagen aujourd'hui va se mesurer dans la possibilité qu'il aura à se relever de ce coup-là. Mais j'aime bien relever que le cas Volkswagen est une porte ouverte dans la tricherie de l'automobile en général. Et d'autres vont en faire les frais. Voilà. On parle de Porsche, Cayenne, Volkswagen, Touareg et Audi, fabriqués depuis 2014. Mais en principe, ils sont également aussi en train de réfléchir comment ils vont
décrier également certains systèmes qui sont installés dans d'autres véhicules. C'est une bonne guerre. Oui, c'est une bonne guerre. Je pense, j'abonde dans le sens de Christian, que c'est rien qu'un début. C'est Volkswagen aujourd'hui. On va voir Mercedes et d'autres véhicules, Renault et tout. Donc, je pense qu'il y a eu un marché de dupes pendant longtemps. Mais c'est la bonne chose avec une bonne presse. Oui, à la transparence. Merci, monsieur, d'être venu pour cette autre matinale de l'information sur Canal 2 Info. Retrouvons-nous demain pour une autre édition. Mais d'ici là, nos programmes se poursuivent.